cet hôtel, il est magnifique. Bonjour et bienvenue sur Château Lego avec un zéro à la place du haut. Aujourd'hui on a Walt Disney World et on dort au Port Orleans Riverside. Je vous fais faire un hôtel tour parce qu'il est trop beau. Quelques explications avant de poursuivre la vidéo de notre voyage. Nous sommes partis une semaine en Floride grâce à l'association Une Vie de Ouf. C'est une association à but non lucratif qui réalise les rêves d'enfants atteints de maladies rares comme c'est le cas de notre fils. Notre fan de Jurassic Park rêvait de rencontrer Blue le Vélociraptor et grâce à l'association, non seulement il a pu rencontrer son dinosaure préféré, mais il a réalisé bien d'autres rêves durant une semaine de ouf. Nous étions accompagnés par Florian Gauthier, fondateur et président de l'association, et par Mathieu Richard, parrain de l'association. Si vous souhaitez faire un don à Une Vie de Ouf ou soumettre un rêve à réaliser, je vous mets le site internet de l'asso en barre d'infos. Dernière petite info qui a son importance, tout ce voyage était une surprise, Mini Lego n'était au courant de rien, et pour garder la surprise, on lui a dit qu'on allait voir de la famille à Londres. Ne vous inquiétez pas, on a refait un cours de géographie quand on est revenu pour remettre les pays à leur bonne place sur la carte. Et comme chaque jour, une nouvelle surprise l'attendait, ne vous étonnez pas si vous n'avez pas nos réactions en direct. Allez garder le secret. Je vous rajouterai des petits commentaires en voice-over, comme ça vous ne manquerez aucune anecdote. Sans plus attendre, on embarque pour une semaine de ouf en Floride à la poursuite des rêves de Mini Lego. Durant notre séjour à Walt Disney World, nous avons logé dans la partie Riverside du Disney's Port Orleans Resort. Vous verrez la partie French Quarter un peu plus tard dans la vidéo. L'hôtel Riverside recrée l'ambiance du bayou de Louisiane, il a donc naturellement été associé à la princesse Tiana au fil du temps. Nous avons été super bien accueillis à la réception, la cast member était adorable, elle nous a remis nos badges first visit, une première visite, et quand elle s'est rendue compte que nos chambres n'étaient pas les mêmes ni côte à côte, elle a surclassé Flo et Mathieu sans supplément, afin que nos chambres soient voisines. C'est vraiment vrai. Elle t'approche pas trop, hein ? Nous étions donc logés dans des Royal Guest Rooms et nous avons même eu droit à une jolie lettre de Tiana à l'arrivée que nous avons bien évidemment ramenée à la maison ensuite. Bienvenue à tous, nous sommes si heureux que vous séjourniez chez nous. Mes amis et moi avons partagé tant de merveilleux moments ici que cet endroit est devenu très cher à nos cœurs. Faites comme chez vous et découvrez les précieux souvenirs que mes amis m'ont offerts au fil des années. Je vous souhaite de créer des souvenirs magiques avec vos amis et votre famille dans ma chambre d'amis royale. Votre amie, la princesse Tiana. Alors Tiana, t'as écrit de deux. Oui. T'es content? Oui. Pour se rendre sur les parcs, on avait accès aux navettes situées juste à côté de la réception. Là, on partait pour Animal Kingdom, mais ce sera pour le prochain vlog. Donc on vous ramène directement à l'hôtel pour explorer un peu les environs. Thank you.
Oh, j'adore ces chaises. Ça te fait rêver? Ça fait penser au temps des nous. Ça me fait penser à Jurassic Park ou Jurassic Square. Oh, je suis blasée. Après une bonne nuit de sommeil, direction le Riverside Meal Food Court pour un délicieux petit déjeuner. Allez, on va goûter ça là. Ah, t'as plus de voix, je me fais trop rire. Tu veux voir l'intérieur ? Ça a l'air grave. Donc ça, c'est du beurre européen, de ce que je vois. Et à l'intérieur, il y a ça. Je sais pas ce que c'est, mais ça ressemble pas à du beurre européen. Il est bon de l'amiquer ? Oui. Là, j'y crois pas. Là, je suis en Floride, à Disney World. Je suis tranquille, j'ai pris mon petit déj. Et puis là, piscine. Comme vous pouvez le constater, l'ambiance côté piscine est plutôt chill dans la journée, mais le soir c'est de la pop bien punchy. Par contre, côté transat, ça reste très jazzy et très chill, même en soirée. Oublions quelques instants les panneaux d'avertissement flippants sur les alligators et les serpents, parce qu'il y a aussi plein d'animaux trop mignons à Walt Disney World. Mes trouches. Coucou papa. Ça va, ça se passe bien, toi aussi, t'es la best life. Ah, clairement, j'ai fait sa best life. Bah nous aussi. Oh, mes trouches. Oh, le bus, ça fait peur. Le deuxième soir, on a pris le bateau pour se rendre à Disney Springs, c'est l'équivalent en bien mieux de notre Disney Village à Disneyland Paris. Durant le trajet, il y avait de la musique jazz qui était diffusée sur le bateau, c'était hyper agréable. Et on est passé devant la partie French Quarter de l'hôtel, là on quitte le côté rural et traditionnel du bayou, pour l'aspect plus coloré et plus fun du Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Disney Springs, c'est immense, rien à voir avec le Disney Village en France, énormément de boutiques et beaucoup d'ambiance aussi. Forcément, j'étais obligée de faire un tour à la boutique où c'est Noël toute l'année. À la fin, je savais même plus où donner de la tête. T'as vu ça? Ils sont trop mignons. Thank you.
c'est ici qu'on se quitte, mais on se retrouve très bientôt pour découvrir Animal Kingdom. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour nous suivre au quotidien, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne pour d'autres vidéos, famille, voyages, déco. Vous serez toujours les bienvenus sur Château Lego. À bientôt. I'll be right back.